Hallelujah. Wherever you are tonight, hearing the sound of my voice, may I ask you to raise one hand towards heaven as a point of contact with the Holy Spirit. Omnipotent power of mercy and grace. Spirit of the living God. Give your people a word tonight. Bless us beyond measure. Stretch your hands. Heal the sick. Set captives free. We give you all the glory, all the praise, all the honor, all the adoration. In Jesus' name. Amen. Amen. Can you get it to the Lord? Acclamez le Seigneur. Give God the glory. Everything in the Bible has a reason. Tout dans la Bible a une raison d'être. There are three reasons why they clap in the Bible. Il y a trois raisons pour lesquelles ils acclament dans la Bible. Don't clap yet. Don't clap. N'acclamez pas encore. The first reason they clap in the Bible. La première raison pour laquelle ils acclament dans la Bible. Is to announce war against Satan. C'est pour annoncer la guerre contre Satan. Don't clap yet. N'acclamez pas encore. The second reason they clap in the Bible. La deuxième raison pour laquelle ils acclament dans la Bible. Is to announce victory over the devil. C'est pour annoncer la victoire sur le diable. And the third reason they clap in the Bible. Et la troisième raison pour laquelle ils acclament dans la Bible. Is to welcome the King of all kings. C'est pour accueillir le roi. The Lord of all lords. Le Seigneur de Adonai. Adonai. Our Savior. Notre Sauveur. Give him the glory. Donnez-lui la gloire. Bless his name. Come on. Bénissez son nom. Eradabosha. Eradaroskelere. Come on, somebody, give him glory. Tatentalu son nom. Ekalere doros. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Such a great joy to be here tonight. Trust in the Lord to be a blessing to you. I want to celebrate President and Pastor of this ministry. I want to thank God for Pastor Greg and his dear wife. Come on, let's celebrate them. Que quelqu'un bénisse Dieu pour leur vie. In Christian ministry, dans le ministère en Christ, every time you see a work of this magnitude, chaque fois que vous voyez une œuvre de cette magnitude, you de cette must taille, realize vous devez réaliser that somebody died, that something may happen. Que quelqu'un est mort afin que quelque chose se passe. So you need to celebrate the pastor and his wife in another donc special way tonight. Come on. Célébrer à let's appreciate célébrer their pastor et son épouse d'une manière thank particulière. God for him and his wife. Bénissez Dieu pour le sacrifice. Bénissez-le. Come on, everyone. Que quelqu'un bénisse le Seigneur. We must never take our leaders for granted. Nous ne devons jamais prendre nos leaders pour acquis. Everything falls or rises to leadership. Tout s'élève ou tombe sur base du leadership. The poverty of nations is not because of the lack of resources. La pauvreté des nations n'est pas due au manque de ressources. It is oftentimes because of the absence of quality leadership. C'est souvent à cause de l'absence d'un leadership de qualité. So if you belong in this house, you are in a good house. Donc si vous êtes à Tabernacle de Gloire, vous êtes dans une bonne maison. You are in the house of blessing. Vous êtes dans une maison de bénédiction. You are in the house of favor. Vous êtes dans une maison de faveur. Things can only get better for you. Les choses ne peuvent que s'améliorer pour vous. Amen, 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 amen. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. It's such a great joy to be here. C'est une si grande joie d'être ici. I met the pastor a couple of times in Paris. J'ai rencontré Pasteur Greg quelques fois à Paris. Ministering together. On prêchait ensemble. Then we met in Ivory Coast in Africa. Puis on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, en Afrique. And I know that you are in a good house. Et je sais que vous êtes dans une bonne maison. Praise the Lord. Gloire à Dieu.
just before I ministered tonight, I didn't want to even talk about my books the first time I ministered. Juste avant de commencer ce soir, hier, j'ai pas voulu même parler de mes livres. So I just talk about them briefly. Donc je vais juste en parler brièvement. I've written 107 books. J'ai écrit 107 livres. I'm just pregnant with books. Je n'arrête pas d'accoucher des livres. So we have a couple of them in French and English here. Donc on en a quelques-uns en anglais et en français ici. I teach a lot on finance. J'enseigne beaucoup sur les finances. Because I believe God wants the believer to prosper. Parce que je crois que Dieu veut que les croyants prospèrent. I teach a lot on prayer also. J'enseigne également beaucoup sur la prière. Matter of fact, in the whole world. En fait, dans le monde entier. I'm the only pastor who has produced a prayer Bible. Je suis le seul pasteur qui ait produit une Bible de prière. It has 15,000 prayer points. Elle a 15,000 sujets de prière. Everything you want to pray about, including your mother-in-law, it's there. Tout ce sur quoi vous voulez prier, incluant votre belle-mère, le sujet est dedans. Now the prayer for your mother-in-law in my Bible are not dangerous prayers. Mais dans les prières pour la belle-mère dans ma Bible, c'est pas des prières dangereuses. Amen. Amen. This is one of my books on finance. Ça c'est l'un de mes livres sur les finances. 33 irrevocable laws of wealth creation. Les 33 lois irrévocables de la création des richesses. We have it in English and French. On l'a en anglais et en français. The reason people don't create wealth, la raison pour laquelle les gens ne créent pas de richesse, is because they don't realize there are laws that guide wealth creation. C'est parce qu'elles ne réalisent pas qu'il y a des lois qui gouvernent la création des richesses. Just like the law of gravity. Tout comme la loi de la gravité. I don't have to pray for this towel to come down. J'ai pas besoin de prier pour que cette serviette tombe. The law of gravity pulls it down. La loi de la gravité elle-même la fait tomber. Wealth has certain laws you have to obey. La richesse a certaines lois auxquelles vous devez obéir. This one is turning rejection to direction. Celui-là, c'est changer, tourner le rejet en direction. Don't worry if people reject you. Ne vous inquiétez pas si les gens vous rejettent. Turn it to direction. Que ça devienne un sujet de direction. Another book on money, the 10 M's of money. Un autre livre sur l'argent, les 10 M's, les 10 points d'argent. Faire de l'argent. Managing it. Gérer l'argent. Multiplying it. Multiplier. Using it for ministry. L'utiliser pour le ministère. Magnetizing it. L'attirer, le magnétiser. The mistakes of money. Les erreurs qu'on fait avec l'argent. There's another one here. Encore un autre ici. War against poverty. Faites la guerre contre l'esprit de pauvreté. There's another one here. Un autre ici. The power of the tithe. La puissance de la dîme. Things become tight if you don't tithe. Les choses sont serrées quand on n'emmène pas la dîme. Anyone who told you not to tithe, I put you in trouble. Celui qui vous a dit de ne pas apporter la dîme vous a créé des problèmes. In this book I wrote 14 reasons why you should tithe. Dans ce livre, j'ai écrit 14 raisons pour lesquelles vous devez apporter votre 29 blessings of the tithe. 29 bénédictions de la dîme. And in this one, et dans celui-là, how to be the best in life. Comment être le meilleur dans the best in everything you le do. Meilleur en tout ce que vous faites. And then this one, et celui-là, breaking the grip of fear. Briser l'emprise de la peur. This is my latest book. Ça, c'est mon tout dernier livre. The creative edge. La touche créative. Only 4 companies in the United States of America. Seulement 4 compagnies aux États-Unis. Are worth more than the GDP of the whole of Africa. Valent plus que le PIB de l'Afrique entière, tout le continent. Apple, 1 trillion. Apple, 1 trillion. Microsoft, 1 trillion. Microsoft, 1 trillion. Amazon 1 trillion. Amazon 1 trillion. Facebook 600 billion. Facebook 600 milliards. That's 3.6 trillion. Ça fait 3,6 trillion. The whole of the GDP of Africa. Le PIB
de l'Afrique tout entière est 3,4 trillion. The four companies I mentioned, ces quatre compagnies que j'ai mentionnées, have no tangible products, n'ont pas de produits tangibles, except Apple, à part peut-être Apple, who creates iPhone, qui fait le iPhone, iPad, the iPad, and what's that? iPod. So I bought my wife iPhone. Donc j'ai acheté un iPhone à mon épouse. My first son iPad. Mon premier fils, je lui ai acheté un iPad. My second son iPod. Mon deuxième fils un iPod. And I pay. Et c'est moi qui paye. I pay. So the tragedy of a continent like Africa. Donc la tragédie d'un continent comme l'Afrique. Et qu'il est retenu par le manque de créativité. The tragedy of our community. La tragédie de notre communauté. Is that we're always looking for job, job, job. Et qu'on est toujours à la recherche de boulot, boulot, boulot. Job only keeps you J-O-B, just over broke. Le boulot vous garde seulement à la limite de la pauvreté, toujours juste à la limite. I might mess you up a little bit before I leave. Is it okay? Et je vais vous embêter un peu avant de partir. J'espère que c'est ok. In this book, dans ce livre, show you 71 ways to be creative. Je vous montre 71 manières d'être créatif. What is Facebook? C'est quoi Facebook? It's not a book, it's not c'est a pas face. Un livre, ce n'est pas un visage. It's just a gathering of electrons. C'est juste un rassemblement d'électrodes. Colored blue. En bleu. And every time you poke someone, you pay for it. Que vous touchez quelqu'un, vous payez. Every time you friend someone, you pay for it. Chaque fois que vous acceptez une demande d'ami, il y a quelqu'un qui est payé. I release a creative anointing in je this house. Je relâche une onction de créativité sur cette maison. I release creative grace on the young je people in this church. Je relâche une grâce de créativité sur les jeunes dans the cette église. The capacity to move in smart technology. La capacité d'entrer dans les technologies mobiles. Artificial intelligence. Dans l'intelligence artificielle. Robotic engineering. L'ingénierie robotique. I release it in this house. Je la relâche en ce lieu. Shout amen like crier that. Amen comme le tonnerre. This one we haven't really been selling it because it's the book we're giving out for our conference coming up end of August. Celui-ci on ne le vend pas vraiment parce que c'est le livre qu'on donne à notre conférence cette année à tous ceux qui s'inscrivent en août. We have it in a few places I go to now. Mais on l'a maintenant emmené dans quelques endroits où je vais prêcher. Actually, see, hear, say. Le titre est « Voyez, entendez, déclarez ». Les pasteurs ne sont pas les seuls à pouvoir marcher dans la dimension du prophétique. C'est très facile de voir dans la dimension de l'esprit. C'est très facile d'entendre. And it's very easy to speak forth the word of the Lord. Et c'est facile de déclarer la parole du Seigneur. And I trust that these books will bless you. Et je crois que ces livres vous béniront. Glory to God. Gloire à Dieu. I said glory to God. J'ai dit gloire à Dieu. I said glory to God. J'ai dit gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Any Ruth in the house? Ruth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ruth? Une Where Ruth you, dans la maison. Ruth. If your name is Ruth, please stand up. Let me see you. Si vous vous appelez Ruth, levez-vous s'il vous plaît que je vous Where vois. Where is Penelope? Penelope. Où est Penelope? Penelope. Is that how you say it in French? Yes. All right. Ruth. Ruth. Penelope. Penelope. Samantha. Samantha. Where is Samantha? Où est Samantha? Come here. Viens ici. The Lord gave me your name before I left the hotel. Le Seigneur m'a donné vos noms avant que je ne quitte l'hôtel. It's your day of favor. C'est votre jour de faveur. Ruth. Ruth. Penelope. Penelope. Samantha. Samantha. And David. Et David. It's your day of favor. C'est votre jour de faveur. For you are glorious. And when you be praised, the Lamb upon me, and unto you.
Samantha. Where's Ruth? Where's David? David. It's your day of favor. C'est votre jour de faveur. I'm gonna pray for you. Je vais prier pour vous. And get ready. Préparez-vous. Something's gonna turn around in your life. Quelque chose va se retourner dans votre vie. God is gonna give you unusual testimony. Dieu va vous donner un témoignage hors du commun. This lady in particular, cette dame en particulier vient. What's your name again? Comment tu t'appelles encore? Ruth. You've been in a place like God is saying, hold on. Tu es dans un endroit. How long am I gonna hold on? Tu es dans un endroit où Dieu te dit attends, et tu dis mais combien de temps je vais attendre? But after today, mais après aujourd'hui, you're walking into a new season. Tu entres dans une nouvelle saison. You're walking into a new testament. Tu entres dans un nouveau témoignage. In the realm of the spirit, like you've been knocking on a certain door. Je vois dans la dimension de l'esprit que c'est comme si tu tapes à une certaine porte. When this conference is over, quand cette conférence sera terminée, those doors will begin to open for ces you. Portes vont commencer à s'ouvrir pour toi. God will give you a common testimony. Dieu te donnera un témoignage hors du commun. Unusual testimony. Un témoignage hors du commun. Everyone who's in front, pour tout ce qui est devant. I'm going to just pray favor on your life. Je veux juste prier pour la faveur sur votre vie. God's going to give you a usual testimony. Vous aurez un témoignage hors du commun. God's going to work in your life. Dieu va œuvrer dans votre vie. Lift your hands. Levez les mains. Everyone now stretch your hands towards them and begin to speak a blessing on them. Commence à déclarer la bénédiction. Come on. Nebroso libranara chagos. Iramaleros. Andeleros. Father, I pray for these people today that your favor rests upon their lives. Père, pour ces personnes let today be the beginning of a new beginning. Soit le début d'un nouveau commencement. Prove yourself as a mighty God. Prouve-toi comme le Dieu tout puissant. Show them favor. Démontre-leur ta faveur. Unusual favor. Une faveur hors du commun. A common favor. Une faveur hors du commun. Supernatural favor. Une faveur surnaturelle. Let the doors begin to open. Que les portes commencent à let s'ouvrir. Let the testimonies begin to follow. Que them. Les témoignages commencent à les to the glory of your name. Pour la gloire de ton nom. In Jesus name. Au nom de Jésus. Shout a good amen. Criez un bon amen. All those who are Samantha, like all the Samantha. Toutes les Samantha, avancez-vous. Samantha. Toutes les Samantha. All those Samantha. Toutes les Samantha. Jesus, I pray for these people in front today. Jésus, je prie pour ces personnes devant aujourd'hui. This lady here. Cette dame ici. Come close. Approche-toi. Put your hand in mine. Mets ta main dans la mienne. I don't know what you lost. Je ne sais pas ce que tu as perdu. But God said, as you tell you, there will be restoration. Mais Dieu a dit de te dire qu'il y aura une restauration. There will be restoration. Il y aura une restauration. And I shut the door on every loss. Et je ferme la porte contre toute perte. Speak a new season je déclare une nouvelle saison dans ta vie. A new testimony. Un nouveau témoignage. A new season. Une nouvelle saison. And a new testimony. Et un nouveau témoignage. For everything you have lost. Pour tout ce que tu as perdu. Have the unusual restoration. Une restauration hors du commun. Unusual restoration. Une restauration hors du commun. You will testify. Tu témoigneras. You will testify. Tu témoigneras. And Samantha, look at me. Samantha, regarde-moi. Somebody walked out of your life. I don't know who it is. Il y a quelqu'un qui a quitté ta vie. Je ne sais pas de qui il s'agit. God said to let you know. Mais Dieu a dit de te dire. Their departure was necessary for your promotion. Que leur départ était nécessaire pour ta promotion. So get ready.
Donc prépare-toi. There'll be a lifting in your life. Il y aura une élévation dans ta like vie. You have never known. Comme tu ne l'as jamais vu. Like you have never seen. Comme tu ne l'as jamais vu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, lay your hands on this lady. Père, impose ta main sur ces femmes. Look at me, all the Samantha. Regardez-moi les Samantha. I kept hearing your name so much in the hotel. J'ai tellement entendu votre nom résonner dans l'hôtel. I didn't write it down until I was in the car, almost getting here. Je l'ai écrit que quand j'étais dans la voiture, parce que c'est pour ça que c'est le dernier nom. I kept hearing Samantha. I go to my bathroom, Samantha. Je n'arrêtais pas d'entendre Samantha. Je vais à la douche, Samantha. Je vais à Samantha. Mais c'est qui c'est your day of favor. Donc c'est votre jour de faveur. God is about to do something awesome in Dieu your life. Tu es sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans vos vies. Lord, lay your hands on this lady. Seigneur, impose ta main sur ces femmes. Cause them to laugh. Donne-leur de rire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. God bless. Let all the Davids come. David. Que tous les Davids s'avancent. This young man. Ce jeune homme. Lift your hands. Lève les mains. Look at me. Regarde-moi. I don't know what your background is. Je ne sais pas quelles sont tes origines. And I don't know what you do at the moment. Et je ne sais pas ce que tu fais actuellement. But the call of God is on your life. Mais l'appel de Dieu est sur ta vie. God wants to use you. Dieu veut t'utiliser. But don't launch yourself. Mais ne te lance pas toi-même. Submit yourself in the house. Soumets-toi dans la maison où tu es établi. God is going to make you a blessing. Dieu fera de toi une bénédiction. You will reach your generation. Tu toucheras ta génération. The word of the Lord in your mouth will be like fire. La parole de Dieu dans ta bouche sera comme un feu. God will use your hand to heal the sick. Dieu utilisera tes mains pour guérir les malades. So get ready to be used of the Lord. Donc prépare-toi à être utilisé du Seigneur. Get ready. Prépare-toi. Every one of the Davids lift your hands. Tous les Davids, levez les mains. Alebranosa. Aleishka lebrano de Brienne Rosa. Father, I pray for this young man. Père, je prie pour ces jeunes hommes. Put your hands on their lives. Mets ta main sur leur vie. Make them a blessing. Fais-leur une bénédiction. Use them for your glory. Utilise-les pour ta gloire. Use them for your glory. Utilise-les pour ta gloire. Silence the enemy through them. Ferme la bouche à l'ennemi au travers d'eux. Exceed their expectations. Au-delà de leurs attentes. We thank you. We say it is done. Nous te remercions et nous disons que c'est accompli. It is done. C'est accompli. The David behind. Le David derrière, approche-toi. Put your hand in my hand. Donne-moi la main. Struggles in the area of. I don't know what it is, if it's business or personal work. Je ne sais pas si just has struggles. Tu te débats énormément dans le domaine du travail. Tu n'arrêtes pas de te débattre dans From today, I prophesy on you that the struggle is over. Sur ta vie que le débat est terminé. The struggle is over. 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 Tu arrêtes de te débattre. You have not been able to really make impact. Tu n'as pas pu vraiment faire un impact. Financially, like you desire. Financièrement, comme tu le désires. You've been in a tight place for some time. Ça fait un moment que tu es dans un coin. But tonight, mais ce soir, prophetically, prophétiquement, I pull you out of the tight place. Je te fais sortir des lieux étroits. Into a new season. Vers une nouvelle saison. To the glory of God. Pour la gloire de Dieu. Give God a glory. Que quelqu'un donne la gloire à Dieu. Que quelqu'un le célèbre. Que quelqu'un le célèbre. Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Let the roots come Vous pouvez forward. Repartir et que les roots s'avancent. Come que toutes Let les roots s'avancent. Yeah, that was first name on my list. C'était le premier nom sur ma liste. Handebroso calibre nikete brado, maredosa brande rista brandero. This lady here. Cette dame ici. You have some friends. You need to cut them off. Tu as certains amis dont tu dois te séparer. If you want to really soar. Si tu veux vraiment t'envoler. Every time you want to move forward, they seem to be dragging you back. Chaque fois que tu veux avancer, ces amis te retiennent. I'm sure you know who I'm talking about. Et je suis sûr que tu sais de qui je parle. Get a good Holy Ghost scissors. Prends de bons ciseaux du Saint-Esprit. Cut them off your journey. Et enlève-les de ton voyage. You will do well.
tu réussiras. You will be blessed. Tu seras béni. Let every of the ladies in front now raise their hands. Que toutes les dames devant maintenant lèvent les mains. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Speak your blessings on these ladies. Je déclare ta bénédiction sur ces dames. Let there be a lifting in their lives. Qu'il y ait une élévation dans leur vie. Let them excel. Qu'elles excellent. Let them be blessed. Qu'elles soient bénies. Let them excel. Qu'elles excellent. Let them be blessed. Qu'elles soient bénies. Let them excel. Qu'elles excellent. Let them be blessed. Qu'elles soient bénies. Do a new thing in their life. Fais une chose nouvelle dans leur exceed vie. Their expectations. Va au-delà de leurs attentes. To the glory of your name. Pour la gloire de ton nom. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Shout a good amen. Crie un bon amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. For repartir. You are good. And when you be great, the Lamb upon the cross, and unto you we lift our voice in praise. Service was over in London. Dimanche dernier, quand le culte s'est terminé à Londres, came out of the building. Je suis sorti du bâtiment. Because we're on four services on two campuses, so I have to preach four times. On a quatre cultes sur deux campus, donc je dois prêcher quatre fois le dimanche. As I finished the second service in one building, quand j'ai fini le deuxième culte dans un des bâtiments, and I'm running to the car to drive. Je courais vers la voiture miles. Pour conduire 45 miles. To the next building. Vers l'autre bâtiment. A lady stopped me at the door. Une dame m'a arrêté à la porte. With her grandson. Avec son petit-fils. And her daughter. Et sa fille. Said, Pastor. Elle a dit, Pasteur. During the power now. Pendant night of miracles. La nuit de prière. We had a night of miracles on the a 19th eu of July. Une nuit de miracles le 19 juillet. She said, I lifted the photograph of my grandson. Elle a dit, j'ai élevé la photo de mon petit-fils. A four-year-old who had never spoken. Un petit garçon de 4 ans qui n'avait jamais parlé. From that day, he began to speak. Et à partir de ce jour-là, il a commencé à parler. Somebody give God the glory. Que quelqu'un donne toute la gloire à Dieu. Give him the glory. Que quelqu'un lui donne toute la gloire. I was preaching in the country of Nigeria. Je prêchais au Nigeria. In a church called Covenant Christian Center. Dans une église qui s'appelle Covenant Christian Center. As I got there, quand je suis arrivé là-bas, I announced that the Lord has shown me that somebody had a hole in their heart. J'ai annoncé que le Seigneur m'avait montré que quelqu'un avait un souffle au cœur, un trou dans le cœur. A conference like this, dans une conférence comme celle-ci, four sessions every day, quatre sessions chaque jour. And after the second session, et après la deuxième session, two brothers were outside having lunch. Deux frères étaient dehors en train de déjeuner. Before my session, avant ma session, and their brother called them. Et leur frère les a appelés. To say the doctors have just told him he had a hole in the heart. Pour leur dire que le docteur venait de lui dire qu'il avait un souffle au cœur, un trou dans le cœur. And that he might die. Et qu'il pourrait mourir. But then. They come into the service. Et là, ces deux frères entrent dans le service. And they hear me announce hole in the heart. Et ils entendent trou dans le cœur. There was also a lady in the service. Il y avait également une dame présente à l'église. She waited for 10 years for a baby. Elle a attendu le fruit des entrailles pendant 10 ans. At the end of which, when she had a baby, the boy had two holes in his heart. Et finalement, qu'elle a eu un bébé, il avait deux trous au cœur. Very tiny. Il était très petit. Because she's not allowed to breastfeed him. On ne lui avait pas permis de le nourrir au sein. And they didn't have enough medical facilities in the country. Et dans le pays, il n'y avait pas assez d'hôpitaux capables de so gérer the doctors ça. Told her to get ready to fly to India for operation on the boy's heart. Donc les docteurs lui ont dit d'aller en Inde pour opérer l'enfant. And I come into the service. Et quand je suis arrivé dans le culte ce jour-là, and I announced hole in the heart. Et j'ai annoncé trou dans le cœur. And I prayed. Et j'ai prié. Prayed. In fact, the people came out. Les gens sont venus. Because of the brevity of time, à cause du peu de temps que j'avais, I could not lay hands. Je n'ai même pas pu imposer la main. I just prayed. J'ai simplement prié. After the conference, après la conférence, the woman went to the doctor. La femme est allée voir le docteur. She said, check my baby. Elle my a dit, baby's okay now. Vérifie mon bébé, il va bien maintenant.
The doctor looked at her. Le docteur l'a regardée. Like, are you okay? Tu es sûr que tout va bien? Two holes in the heart, you say your baby is okay? Deux trous dans le cœur et puis tu dis que ton bébé va bien. She said, the man of God have prayed for my baby. Elle a dit, l'homme de Dieu a prié pour mon bébé. Well, the doctor brought out the old scan. Le docteur a fait sortir le scan. With two holes. Avec les deux trous. He did a new scan. Il a fait un nouveau scanner. No holes. Pas de trous. Come on, somebody give God the glory. Que quelqu'un donne toute la gloire. Give him the glory. Donnez-lui toute la gloire. Give him the praise. Donnez-lui toute la louange. Give him the praise. Louez-le. Oh, bless. Bénissez. Quand je venais à cette conférence, I landed into New York, j'ai atterri d'abord à New York to catch the flights to come here. Pour prendre le vol de connexion pour venir ici. I had preached in a Seventh-day Adventist, these are the ones that are like, they become very charismatic Pentecostals. J'ai prêché avant dans une église des gens du septième jour, mais qui sont devenus de plus en plus pentecôtistes. I needed to explain all that. J'avais besoin d'expliquer tout ça. These ones were beginning to really come out of the whole seven-day stuff. Ces gens-là en particulier étaient en train de sortir un peu de la nature de leur ministère. Donc j'ai prêché chez eux. J'ai prié pour eux. Et quand j'ai atterri à New York, le pasteur m'a envoyé un texte. Il a dit, une femme a été guérie totalement du cancer. Que quelqu'un loue le Seigneur. In the country of Ghana. Je suis allé au Ghana plusieurs fois pour des croisades. With a gentleman who looks up to me as a spiritual father. Avec un homme qui me considère comme son père spirituel. This man holds unusual crusades. Cet homme organise des croisades hors du commun. Looks up to me as a father, but I'm learning something from him. Il me regarde, me voit comme un père, mais moi je suis en train d'apprendre pas mal de choses de lui. The way he does his crusades. La manière dont il organise ses croisades. I began to go because that's the next phase of what I want to do. J'ai commencé à regarder par rapport aux choses que moi aussi je veux faire. But in this crusade we hold in Ghana. Mais dans ces croisades qu'il fait au Ghana, I have seen the kind of miracles I have never seen in my ministry. J'ai vu le type de miracle que je n'avais jamais vu dans mon ministère. When a city called H-O-O. Dans une ville qui s'appelait O, H-O. That's the name of the capital. C'est le nom de la ville où on était. In the Volta region of dans Ghana. La région Volta du Ghana. Now I'm finished ministering on the power and the blood. J'ai fini de prêcher sur la puissance du sang. And we didn't bring the book on the blood. On n'a pas amené le livre sur le sang. And I began to pray for people. Et j'ai commencé à prier pour les gens. There was an outbreak of miracles. Il y a eu un déversement de miracles. There was a 32-year-old lady. Il y avait une dame de 32 ans. Deaf and dumb. Sourde et muette. Never spoke. Elle n'avait jamais parlé. Never heard. Elle n'avait jamais entendu. Power of God hit her. La puissance de Dieu l'a frappée. She began to speak. Et elle a commencé à parler. Few words. Quelques mots. And began to hear clearly. Et elle a commencé à entendre clairement. Another one, a 16-year-old boy. Un autre cas, un jeune garçon de 16 ans. Deaf and dumb. Sourd muet. Began to scream, hallelujah. Il a commencé hallelujah. À crier, alléluia, alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. And his mother was crying. Et sa mère pleurait. I said, why are you crying? J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? She said, this is my son. Elle a dit, c'est mon fils. He has never spoken. Il n'a jamais parlé. Never heard. Il n'a jamais entendu. That day he began to speak and hear. Ce jour-là, il a commencé à entendre et parler. There was a case. Il y avait un cas. Triplets. Des triplés. All three deaf and dumb. Tous les trois étaient sourds et muets. That's collective captivity. Ça, c'est une captivité collective. One of them began to speak and to hear immediately. L'un d'entre eux a commencé à parler et à entendre immédiatement. Told the mother to bring the other two the next day, but she didn't come. J'ai dit à la mère d'emmener les deux autres le jour suivant, mais elle n'est pas venue. J'ai vu la main de Dieu. The lady was cooking. Il y a une dame qui était penchée. Turned to carry something. Un jour, elle s'est tournée pour prendre quelque chose. Et elle ne pouvait pas retrouver sa position normale. Et donc, pendant trois mois, elle est restée courbée comme ça. Like a crab. Elle marchait comme un crabe. And
God healed her. Et Dieu l'a guéri. Many miracles. Plusieurs miracles. Unusual healings. Des guérisons hors du commun. A soldier in the Ghana army. Un soldat de l'armée ghanéenne. Jumped from 30 feet. A sauté de 30 pieds. Broke the two legs. S'est brisé les deux jambes. Has to move around in crutches. Il devait se promener avec des béquilles. God healed him. He began Dieu to walk. L'a guéri. Il a commencé à marcher. He began to walk. Il a commencé Come on, à somebody give God glory. Que quelqu'un donne toute la gloire à Dieu. He's alive. Il est vivant. 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 Because of time, I'm not going to ask you to come out. À cause du temps, je ne vais pas vous demander de venir en avant. There's somebody here that told you that there might be some cancerous cell. Mais il y a quelqu'un ici, on a dit que vous avez peut-être des cellules cancérigènes. In your body, particularly breast cancer. Dans votre corps, particulièrement le cancer du sein. Just stand up if you are the person. Levez-vous si vous êtes ici. I'm going to pray. I don't want you to come out because of time. Don't je ne voudrais pas vous demander. Ne venez Please pas devant. Come out. Do not come out. Ne venez pas devant. I want to. I don't want to spend all the time laying hands. Je ne veux pas passer tout le culte à imposer les mains. Second. Le deuxième cas. There's somebody here. Il y a quelqu'un ici. I think the hospital said you probably have. Cataract in your eye. Je crois que l'hôpital vous a dit que vous avez peut-être de la cataracte dans votre œil. God wants to heal you. Et Dieu veut vous guérir. If you are the person, si c'est vous, stand on your feet. Levez-vous là où vous êtes. The third, le troisième cas, you have gastrointestinal problems. Vous avez des problèmes gastro-intestinaux. And you've been going to the hospital recently. Et récemment, vous êtes allé à l'hôpital. You are the one, please stand. Si c'est vous, levez-vous. And the last, oh no, two more. Et deux groupes encore de personnes. You have migraine. Migraine is headache that stays for days. Vous avez des migraines. Les migraines, c'est un mal de tête qui reste là sur plusieurs jours. If you are the one, stand up. Si c'est vous, levez-vous. And lastly. Et finalement. Somebody here, you have excruciating pain in your legs. Il y a quelqu'un ici qui a une douleur atroce dans les jambes. So I'm going to just confirm those things one more time and I'm going to pray with you. Je vais confirmer ces cas une fois encore et prier avec vous. If you are the one with the cancerous cells, si c'est vous avec breast cancer, let me see your hand, wave your hand at me. Faites-moi la main, que je vous vois. All right, I've seen those hands. Ok, j'ai vu les mains. If you are the one with cataract. Let si me see vous avez your hands. De la cataracte, que je vois vos mains. Gonna believe God for your healing. Vous if you are the one with gastrointestinal si problems. Vous avez des problèmes gastro-intestinaux. Gonna believe God for your healing. Nous allons croire en Dieu. If you are the one with migraine. Si c'est vous qui avez continuous headache on one side of the head. D'un côté de la tête. And lastly, if you are the one with this excruciating pain. Et finalement, on your c'est feet. Vous qui avez ces douleurs horribles dans les jambes. Look at me, everyone Regardez-moi, standing. Vous tous qui êtes debout. So many of you. Tellement. So if I told you to come out, there is no space. Donc si je vous avais dit de venir, il n'y aurait pas d'espace. And I don't have enough time. Et je n'ai pas assez de temps. I love to lay hands. J'aurais aimé imposer la main. But I like to pray for you. Mais j'aimerais prier pour vous. Again, look at me. Une fois encore, regardez-moi. Anointing is dissipated in words. L'onction se dissipe au travers des paroles. He sent his word. Il envoya sa parole. And his word healed their Et diseases. Sa parole les guérit. So shall my word be which is sent forth. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. It shall not come back void. Elle ne reviendra pas à moi sans effet. Without accomplishing the reason why it was sent. Sans accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. So where you are tonight. Donc là où vous êtes ce soir. The power of God will touch you. La puissance de Dieu va vous toucher. I said the power of God will touch you. J'ai dit la puissance de Dieu va vous toucher. I repeat the power of God will touch you. Je répète la puissance de Dieu va vous toucher. I want everyone who's standing. Je veux que toutes les personnes qui sont debout. I want you to lift your hand towards heaven. Je veux que vous leviez les mains vers le ciel. And say Father. Et dites Père.
Heal me. Guéris-moi. And I will be healed. Et je serai guéri. Heal me. Guéris-moi. And I will be healed. Et je serai guéri. Heal me. Guéris-moi. And I will be healed. Et je serai guéri. I want you to lift your voice and begin to pray. Vous éleviez la voix et que vous commencez à prier. Healing rain is falling down. It's coming nearer to this whole town. Rich or poor, weak and strong, it's bringing mercy. It won't be long. Healing rain is coming down. It's coming closer to the lost and found. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Healing rain. Yes. Yes, I'm not afraid. Healing rain, 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 healing, healing rain. Not afraid. Healing rain, healing rain. In the name of Jesus. Every one of you who's believing God for healing, look at me. Tous ceux qui croient en Dieu pour leur guérison, regardez-moi. The power of God is not limited. La puissance de Dieu n'est pas limitée. The hand of the Lord is not limited. La main du Seigneur n'est pas limitée. Wherever you are tonight, où que vous soyez ce soir, the power of God will touch you. La puissance de Dieu vous touche. You are coming back with a testimony. Vous allez revenir témoigner. You're coming back with a testimony. Vous allez revenir avec un témoignage. When I pray tonight, quand je prierai ce soir, I want you to say amen that like you believe. Que vous disiez l'amen de quelqu'un qui croit. I want you to say believing amen. Je veux que vous disiez amen de quelqu'un qui croit. God will touch you. Dieu vous touchera. And you'll never be the same. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I lay the hand of faith on every man and woman. J'impose une main de foi sur chaque homme et chaque who needs your healing touch right qui a now. Besoin que tu le guérisses maintenant. I take authority. Je prends autorité. As a servant of Jesus en Christ, que serviteur de I take authority. Je prends autorité over every sickness, sur toute maladie, every disease, sur toute infirmité, every health issue, sur toute problème in santé, this building. Dans ce I release healing power, la puissance de healing anointing, healing power, healing anointing, healing power, healing anointing, healing power, healing anointing, in the name of Jesus. I curse cancer to the roots. I rebuke cancer. I rebuke migraine. Pain on your feet. Go. 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 Every cataract in your eye to melt and dry up. From today, power of God to touch you. La puissance de Dieu vous touche. Healing virtue to flow in la your life. De guérison coule every sur demonic activity in your body. I command it to begin to leave you. Leave you, leave you, leave you. Leave, 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 leave you. In the name of Jesus. Power. To touch you tonight. Power. Set you free from tonight. Power.
lose you from tonight. Te libère à partir de power! La puissance. Break you free from tonight. Te délivre à partir power! De la puissance. Lose you from tonight. Te libère à partir power! De la puissance. To set you free from tonight. Te délivre à partir de ce soir. Every health issue in your body. Tout problème de santé dans votre corps. Including the ones I did not mention. Incluant les choses que je n'ai pas mentionnées. I release healing virtue. Je relâche des vertus. Healing virtue. Healing virtue. Healing virtue. Healing virtue. Healing virtue. Healing virtue. I command your body to begin to work. Right now. Right now. Right now. Right now. In the name of Jesus, be healed from tonight. Be free from tonight. Be free from tonight. Be free from tonight. Sickness to leave you. Diseases to go. Healing power to touch you. From tonight. From tonight. I release the power of God. I release the anointing. I release glory. I release the anointing. I release glory. Set you free. Loose. Would you be free from your burden of sin? This power in the blood. Power in the blood. Will you overcome a victory win? This wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power. To the highest mountain, and it flows to the lowest valley. It is the blood that gives me strength from day to day. It will it reaches to the highest mountain, and it flows, flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from death. Somebody thank God for the blood. Power, power,
Take authority over that sickness in your body. Prenons autorité sur cette maladie. We rebuke the power of sickness. Nous réprimons le pouvoir we de la maladie. We rebuke demonic oppression. Nous chassons toute oppression démoniaque. We release your body. Nous libérons votre corps. We release your mind. Nous libérons vos pensées. We loose you from today. Nous vous libérons à partir de walk in freedom from today. Marchez dans la liberté à walk in victory from marchez today. Dans la victoire à partir de total deliverance. Délivrance totale. Total victory. Total victory. Total victory. Total victory. In the name of Jesus. Somebody go ahead and bless the Lord. Thank you for the victory. Lord, send your power. Lord, send your power. Lord, send your power. Lord, send your power. This conference, après cette conférence, you're walking in a new season, vous entrez dans une nouvelle saison, new dimension, une nouvelle dimension, new grace, une nouvelle grâce, new blessing, une nouvelle bénédiction, new joy, une nouvelle joie. And guess what? It won't be long. Et devinez quoi, ça ne tardera pas. It won't be long. Ça ne tardera pas. It won't be long. Ça ne tardera pas. Tell your neighbor, it won't be long. It won't be long. It won't be long. Favor, it won't be long. Glory, it won't be long. Testimony, it won't be long. Breakthrough, it won't be long. Blessing, it won't be long. Healing, it won't be long. Salvation, it won't be long. It won't be long. This conference is over. Cette conférence sera terminée. Some people here. Il y a des personnes ici. The world will hear from you. Le monde entendra parler de vous. The world will hear from you. Le monde entendra parler de vous. And it won't be long. Et ça ne tardera pas. Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down. I feel power in this place. Je sens la puissance en ce lieu.
It's just like fire. C'est comme du feu. Shut up in my bones. Dans mes os. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Shut up in my bones. It's just like fire. Sit down, sit down, sit down, sit down. Thank you, choir. Put your hands together for the best choir in town. Come on. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you, thank you. How do I preach in this atmosphere? Comment est-ce que je prêche dans cette atmosphère? Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Verses 40 to 49. Versets 40 à 49. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Verses 40 to 49. Versets 40 à 49. I guess we'll read it in French. Nous allons le lire en français. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. God bless his word. Que Dieu bénisse sa parole. This passage is one of the most popular stories everyone knows. Ce passage est l'une des histoires populaires que tout le monde connaît. Even those who are not born again. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau. They know about David and Goliath. Ils connaissent l'histoire de David et de Goliath. They know the testimony of what happened. Ils savent le témoignage de ce qui s'est passé. But tonight I want to preach an interesting and profound message. Mais ce soir je veux prêcher un message intéressant et profond. And I believe you will be blessed. Et je crois que vous serez bénis. The Bible says that David went and picked 5 stones. La Bible nous dit que David est allé prendre 5 pierres. And came and confronted the Philistine. Il est venu confronter le Philistin. And then out of the 5 stones he picked one. Puis dans les 5 pierres, il en a pris une. And so tonight my message is the power of the first stone. Et donc ce soir mon message est le pouvoir, la puissance de la première pierre. And when I talk about the first stone, et quand je parle de la première pierre, you are that first stone. Vous êtes cette première pierre. That's going to bring down Goliath. Qui va faire tomber Goliath. You are that first stone. Vous êtes cette première pierre. That is going to do what no one in your family have ever done. Qui va faire ce que personne dans votre famille n'a jamais pu faire.
You are that first stone vous êtes cette première that will reach the place no one have ever reached in your family. Qui va atteindre là où personne n'a atteint dans votre famille. Your mom may have had five sons and daughters, votre mère a peut-être eu cinq fils ou filles, but you will be the first stone. Mais vous serez la première pierre. The first stone of favor. La première pierre de faveur. The first stone of glory. La première pierre de gloire. The first stone of breakthrough. La première pierre de the first stone of testimony. La première pierre de témoignage. I like you to say, I am the first stone. Que vous disiez, je suis la première pierre. I am the first je stone. Suis la première pierre. I don't know who I'm speaking to tonight. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. They may not know your family. Ils ne connaissent peut-être pas votre famille. But you will be the first stone that distinguishes out of la that family. Première pierre qui se distingue de cette famille. You'll be the first stone from the community vous you came serez from. La première pierre de la communauté d'où vous venez. America will hear from you. Les États-Unis entendront parler de vous. I said America will hear from you. The world will hear from you. You gotta open your mouth and prophesy tonight. I'd like you to say, I am the first stone. I am the first stone. I declare on someone here today that you will excel. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui que vous allez exceller. You will excel. Vous allez exceller. You will excel. Vous allez exceller. Where your mothers never reached, you will get there. Là où vos mères n'ont pas atteint, vous allez arriver. Where your fathers could not imagine. Là où vos pères ne pouvaient même pas imaginer. You will get there. Vous allez atteindre. The things your dad and mom could never attempt. Les choses que votre père et votre mère n'ont même pas pu essayer. You will hit the target. Vous allez atteindre la cible. Somebody scream, I am the first stone. Je suis la première pierre. Get ready. Préparez-vous. Because this prophetic word parce que cette parole prophétique is going to pull some people from the back va prendre des gens qui étaient à l'arrière and put them in front. Et les mettre en avant. It's going to change your story. Ça va changer votre histoire. I'd like you to declare, I am the first stone. J'aimerais que vous déclariez, je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. From today, your life is changing. À partir d'aujourd'hui, votre vie change. Your story is changing. Votre histoire change. I said your story is changing. Votre histoire change. Your story is changing. Votre histoire change. David went to the brook est allé à la rivière and he picked five smooth stones. Et il a pris cinq pierres polies. He didn't take jagged ones. Il n'a pas pris des pierres qui because jagged stones don't go far. Parce que ce genre de pierres ne vont pas loin. But you will go far. Mais vous irez loin. You will hit the mark. Vous atteindrez le but. Jagged stones do not hit the mark. Les pierres qui ne sont pas polies n'atteignent pas God le but. God brought you out of the brook. Dieu vous a fait sortir de la rivière. All the things you've been going through. Toutes ces choses que vous avez traversées. All the pain you have experienced. Toutes les douleurs que vous avez expérimentées. All the challenges. Tous les défis. The water was rubbing on you. L'eau était en train de vous polir. I'm preparing you to be a smooth stone. Et je vous préparais à être une pierre. And you were wondering, God, why am I going through all this? Et vous vous disiez, mais Dieu, pourquoi je traverse tout ça? And you did not know. Et vous ne saviez pas. God is getting you ready. Que Dieu vous préparait. To be a smooth stone. À être une pierre polie. That will hit the target. Qui atteint sa cible. I declare today. Je déclare aujourd'hui. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. In the name of au Jesus. Nom de Jésus. David went to the brook. David est allé au rivage. Where the water was rushing. Là où l'eau coulait vite. He passed other stones. Il a dépassé d'autres pierres. But went to the brook. Mais il est allé là-bas au he rivage. He knew the kind of stones. Il savait le genre de that pierres can do the job. Qui pourrait réussir the ce ones travail. That the water of life have washed over. Celles que les eaux de la vie ont lavé. They've been through something. Ceux qui ont traversé quelque they've been chose. Prepared and smoothened. Ceux qui ont été préparés, polis. And they have been they've been prepared by the Lord. Ils ont été préparés par le Seigneur. They will not fall short. Ils ne vont pas tomber loin he du but. Picked the five stones. Il a pris les cinq pierres. But then he loaded the first one. Mais il a pris la première. He knew it will not miss the mark. Il savait qu'elle ne raterait pas sa I declare on you tonight. Je déclare sur votre vie your ce soir. Daddy may have missed the mark. Votre père a peut-être raté your la mom cible. May have missed the votre mark. Mère a peut-être raté by the la power cible. Of the living Christ. La puissance du Christ by qui the vit. Power that rose
Jesus from the dead, you will hit the target. I said you will hit the target. Everything you've been through will work together for your good. It will prepare you for your victory. You will become a testimony in the name of Jesus. All the pain you have been through will make you to be a testimony. You will not fail. You will not fail. You will not fail. You will not fail. Someone is here today. Maybe you didn't even know. Vous ne saviez peut-être you pas. Are the destiny carrier of your family. C'est vous qui portez la destinée de votre famille. You are the destiny carrier. Vous portez la destinée. Heaven will lift you up. Le ciel vous élèvera. I said heaven will lift you je up. Dis, le ciel vous élèvera. God will launch you. Je vous propulsera. You will hit the target. Vous atteindrez la cible. You will not miss your target. Vous n'allez pas rater votre cible. You will hit the target. Vous allez atteindre votre cible. This year somebody here will cette break année, through. Quelqu'un ici va percer. I said you are breaking through. Je dis, vous percez. I like you to scream, I am je the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. From today, you will not miss your opportunity. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas rater vos opportunités. You will not miss your doors. Vous n'allez pas rater vos portes. Every door that has been shut before you will open from toutes today. Qui vous ont été fermées, I command the doors to begin to open. Je commande que les portes I command the doors to begin to je open. Que les portes commencent à s'ouvrir. You may be the last one born in your family. Vous êtes peut-être le dernier né dans votre famille. It is not about your age. Ce n'est pas une question d'âge. It is about your stage. C'est une question de stage. It tard. Is not about your age. Ce n'est pas votre âge. It is about your stage. C'est l'état où vous êtes. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. I said you will je be dis, the first stone. Vous serez la première pierre. From today, favor is coming on your house. Glory is coming on your house. Blessing is coming on your house. Testimony is coming on your house. I prophesy to somebody here. Daddy and mommy may have failed. You will not fail. I said you will not fail. I repeat, I declare because of the power. Romans 8:11. Because of the power that raised Jesus from the dead, you will not fail. Shout amen, preacher. Somebody say, I am the first stone. Say it again, I am the first stone. There are some families where you have to wait for senior before you get your own. Il y a des familles où tu dois attendre que les aînés aient avant d'avoir pour some toi. Families you have to wait for junior before it's your turn. Il y a des familles où tu dois attendre le plus jeune avant que ce ne soit but tonight tour. I prophesied for you. Mais ce soir je prophétise. You are not waiting for anyone. Vous n'attendez personne. You will hit the target. Vous allez atteindre votre cible. Somebody scream, I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. Lima Ebronuzi Ralitski Prutanderielosia. You will be the first believer to own that thing. Vous serez le premier croyant à posséder cette chose. And you look around you, some of you are first generation immigrants out of one place into America. And where you are coming from, no believer has ever owned anything major. You'll be the first to start your own bar. Vous êtes le premier à être venu ici dans notre pays. Et il n'y a rien autour des croyants qui viennent de notre pays. You'll be the first pays. To start your vous own airline. Vous serez le premier à posséder votre banque, à ouvrir votre compagnie. You better aérienne. Shout amen like vous thunder. Vous seriez mieux de crier amen comme le tonnerre. Shout amen like fire. Crier amen comme le feu. Somebody scream, I que am the first stone. Je suis la première pierre. You don't know of any Christian that have launched this major dream, vous she will be the first stone. Qui a fait ce genre de chose, vous serez la première pierre. You don't know of any pasteur that has launched this major program, project, building. Qui a ouvert un tel bâtiment, un tel projet, qui a fait cette chose. I'm not preaching to you tonight, I'm prophesying. Je ne prêche pas ce soir, and je if you can grab it in the realm of et the si spirit, vous pouvez l'attraper dans la dimension your story de l'esprit, will change. Votre histoire va changer. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. Shout amen again. Crier amen encore.
You will not go down. Vous n'allez pas tomber. I said you will not go down. Je dis, vous n'allez pas tomber. I repeat, you will not go down. Je répète, vous n'allez pas tomber. Your marriage will not go down. Votre mariage ne va pas s'écrouler. Your finances will not go down. Vos finances ne vont pas s'écrouler. Somebody scream, I am que the first stone. Je suis la première pierre. He picked five stones. Il a pris cinq pierres. Not because he thought he would not hit the target. Pas parce qu'il pensait qu'il n'allait pas atteindre la cible. But because if you go through the Bible, mais parce que si vous lisez la Bible, Goliath had four other brothers. Goliath avait quatre autres frères. So let them come. Donc ils n'ont qu'à venir. There is a stone for every brother. Il y a une pierre pour chaque frère. There is a stone for every trouble. Il y a une pierre pour chaque There is problème. A stone for every battle. Il y a une pierre pour chaque battle. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the Je first stone. Je suis la première pierre. Somebody shout amen three times. Que quelqu'un crie amen trois fois. Put your hands together, give God a praise. Give him the praise. This is a prophetic word. C'est une parole prophétique. First stone is not necessarily firstborn. La première pierre n'est pas nécessairement le premier né. There are some firstborns who are not ready. Il y a des premiers nés qui ne sont pas prêts. And there are some who may be ready. Et il y en a qui sont prêts. But tonight, as Mais I occupy this platform, ce soir, alors que j'occupe cette plateforme, I pull you out of the queue, je vous retire de la queue and declare into your life, et je déclare dans votre vie, you will be the first stone. Vous serez la première pierre. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. Shout yes! Yes! First stone does not mean the first to be strong. La première pierre, ce n'est pas le premier à être fort. There have been stronger people than you. Il y a des gens plus forts que But vous. When your season comes, mais quand votre saison arrive, what many have never thought possible, ce que plusieurs ont pensé être impossible, will become your regular. Deviendra le régulier pour vous. I am the first Je stone. Suis la première pierre. First stone is not the first to be connected. Première pierre n'est pas le premier à avoir des connexions. Some people have lived in Miami before you. Il y a des gens qui étaient à Miami avant Kebrane, Bralush Klerenos Debri, Aironobros Keri. The day will come. Le jour viendra. For somebody here. Pour quelqu'un ici. The house your mama used to clean. La maison que ta maman nettoyait avant. Will become the property you bought. Deviendra la propriété que tu as achetée. I see it. Je le vois. I can see it. Je peux le voir. The office your mama used to clean. Le bureau que ta maman nettoyait. Becomes the office you occupy. Devient le bureau que tu occupes. Somebody scream, I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. First stone. Première pierre. First stone. Première pierre. First stone. Première pierre. First stone is not the first to be educated. La première pierre n'est pas la première à être éduquée. Some people have been educated before you. Il y a des gens qui ont reçu une éducation avant vous. But because of a prophetic destiny. Mais à cause de la destinée prophétique. You will bypass them. Vous allez les dépasser. You will bypass them. Vous allez les dépasser. Somebody say, I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. First stone is not the first to be prosperous. La première pierre n'est pas le premier à prospérer. In the village I come from. Dans le village d'où je viens. There are some people who were prosperous before me. Il y a des gens qui étaient prospères avant moi. But they've not done what I have done. Mais ils n'ont pas fait ce que j'ai fait. I give clothes, food and money to 18,000 widows every January. Je donne des habits, de la nourriture, de l'argent à 18 000 veuves chaque mois de janvier. 18,000. 18 000. And next January I'm making it 20,000. Et janvier prochain, je vais donner à 20 000 veuves. I hold a major event for widows. J'ai un événement majeur pour les veuves. I give them six yards of African je leur donne 6 yards de tissu africain. I put money on it. Je mets de l'argent pour chacune. Feed all the 18,000. Je nourris les 18 000. Bring a musician to celebrate with the 18,000. J'emmène des musiciens pour célébrer avec elles. Lead them to Christ. Je les conduis à Christ.
I'm not the first prosperous. Je ne suis pas le premier à avoir prospéré. But I became the first to bring a university to my village. Mais je suis le premier à avoir amené une université dans mon village. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am je the suis first stone. La première pierre. First stone. Première pierre. First stone. Première pierre. First stone. Young man, jeune homme, it's not where you began. Le plus important n'est pas là où tu as commencé, it is how you finish. Mais plutôt comment tu finis. Though your beginning be small, bien que tes commencements étaient your faibles, latter end ta fin shall be exceedingly sera excellemment grand. Better is the end of a matter, mieux vaut la fin d'une chose than the beginning que of son it. Commencement. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. First stone. Première pierre. First stone. Première pierre. First stone. Première pierre. There were five stones. Il y avait cinq pierres. They all qualified. Elles étaient toutes qualifiées. They are all smooth. Elles étaient toutes but polies. Even out of the five smooth stones. Mais dans les cinq pierres polies. He picked the first one. Il a pris la première. I declare tonight. Je déclare ce soir. When they gather champions. Si ils vont rassembler les champions. You will still stand out. Vous allez encore faire la différence. I declare on someone yet tonight. Je déclare sur quelqu'un ici ce soir. You will not go down again. Vous n'allez plus tomber. It shall only get better. Ça ne deviendra que meilleur. Glory tabernacle. Tabernacle de gloire. It shall only get better. Ça ne s'améliorera qu'en s'améliorant. It shall only get better. Ça n'ira qu'en s'améliorant. This is just a parenthesis. Ceci n'est qu'une parenthèse. I saw a revelation. J'ai vu une révélation. And I asked the Lord, "What is this?" Et j'ai demandé à Dieu, mais c'est quoi ça? And he showed me a pain this church had gone through. Et il m'a montré un problème, une douleur que cette église a traversée. And it was like a boy. Et c'était comme un garçon. And it was so painful. Et c'était tellement douloureux. Suddenly the boy burst. Et soudain le petit s'est mis à exploser et quelque chose est sorti. J'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? He said, I'm cleaning the house. Il dit, je nettoie la maison. That's the reason for that bust. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette explosion. Whoever is leaving, il dit, let them not cry. En train de partir, that departure was necessary. Ce départ était nécessaire. Let them go. 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 Glory is coming to the house. Favor is coming to the house. Testimony is coming to the house. Somebody scream, I am the first stone. I am the first stone. Je suis la première pierre. First stone. Première pierre. Tell your neighbor, I am dis the first stone. Voisin, je suis la première pierre. First stone. Première pierre. David shows up at the battleground. David apparaît sur le champ de combat. And as soon as he shows up, dès qu'il apparaît, his brother got jealous. Ses frères sont jaloux. Because he knew that every time. Parce qu'il savait que chaque this number 8 boy shows up. Ce garçon numéro 8 là apparaît. He becomes number 1. Il devient numéro 1. So he became angry. Donc il a commencé à se fâcher. General Eliab. General Eliab. Four-star general. General Israeli army. De l'armée d'Israël. Yet jealous at a 17-year-old boy. Jaloux d'un petit garçon de 17 ans. David. David. What have you come here to do? Tu fais quoi ici? You've come to watch the battle. Tu es venu regarder la guerre? Ladies and gentlemen. Mesdames, messieurs. Whoever goes to watch battles. Vous connaissez quelqu'un qui va regarder la guerre? Have you ever seen anyone go to watch bullets fly? Vous avez déjà vu quelqu'un aller regarder les balles voler? AK-47. AK-47. When people are jealous of you. Quand les gens sont jaloux de vous, they look for anything to say about you. Ils cherchent à n'importe quoi à dire de vous. They misuse social media. Ils utilisent les réseaux sociaux. But they can't stop you. Mais ils ne peuvent pas vous arrêter. You are the first stone. Vous êtes la première pierre. You are the first stone. Vous êtes la première pierre. Somebody scream, first stone. Vous êtes la première pierre. First
First John. Première pierre. First John. Première pierre. What have you come to the battle to do, David? Tu es venu faire quoi ici, David? And David said. Et David dit. Is there not a cause? N'y a-t-il pas une raison? Eliab couldn't handle it. Eliab ne pouvait pas le supporter. Because the last time David showed up. Parce que la dernière fois que David est venu. He collected the oil of anointing. Il a récupéré l'huile de l'onction. You see, seven of them gathered. Voyez, sept d'entre eux se sont présentés. And God rejected all of them. Et Dieu les a tous rejetés. And the boy. Et le garçon. Who was the son of a mistress. Qui était le fils d'une maîtresse. Hebrew scholars believe that David was not born of the same mother with these seven. Les étudiants de la Bible disent que David n'est pas né de la même mère que les sept autres. I agree with them. Je suis d'accord avec eux. Because. Parce que. You can't do that to a black woman. Vous pouvez pas faire ça à une femme noire. You didn't invite her son. Tu n'as pas invité son fils. To the ordination. À l'ordination. To the choice of a king. Au choix d'un roi. A black woman will show you. La femme noire va te montrer. You did not invite my son. Tu n'as pas invité mon fils. What are you people doing here? Vous faites quoi même? Statistics have even shown. Les statistiques ont même montré. That the last person to ever think of suicide. Que la dernière personne à penser au suicide. Is a black woman. C'est la femme noire. Black women will never kill themselves. La femme noire va jamais Let's celebrate tuer. All the women in Bénissons the house. Bénissons Dieu pour toutes les femmes ici. All the women are blessed. Toutes les femmes sont bénies. You are beautiful and blessed. Vous êtes belle et bénie. Celebrate yourself. Célébrez come on. Pour votre fille. Last time he showed, la dernière fois qu'il est venu, collected the oil, a récupéré l'huile. Now he has shown again. Et puis maintenant il se présente. General Eliab. Et le général Eliab became jealous. Et jaloux. Some people react. Il y a des gens qui réagissent. At your ordination. À votre ordination. But they don't know. They can't stop it. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui ne peuvent pas l'arrêter. You may scorn me. Tu peux mal me regarder. Tu peux me tourner le dos. God is love all wrapped all around me. Tu peux faire I've got Jesus, mais and j'ai that's Jésus. Enough. You may not like me. Tu peux ne pas m'aimer. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am. Je suis. I am. Je suis. Hey. The day is gonna come. Le jour viendra when some young people listening to me today où une jeune personne qui m'écoute aujourd'hui va prendre ce message que j'ai prêché et l'utiliser pour entrer dans la maison des représentants et va l'utiliser pour entrer au Sénat to become the first governor. Et va l'utiliser pour devenir le premier gouverneur. Et va l'utiliser pour devenir president of a, président of a blue chip company. D'une grande corporation. Somebody scream, I am the first stone. Que je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. What have you come to do? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? David said. David a dit. Is there not a cause? N'y a-t-il pas une cause? So listen to me tonight. Donc écoutez-moi ce soir. Why would you be the first stone? Pourquoi serez-vous la première pierre? There are lives to touch. Il y a des vies à toucher. There are buildings to complete. Il y a des bâtiments à finir. Communities to deliver. Des communautés entières à délivrer. Families. Des familles. To bless. À bénir. Buildings to build. Des bâtiments à construire. That the day will come. Le jour viendra. When tabernacle of glory will not have to rent a building like this. Où tabernacle de gloire n'aura pas à louer un bâtiment. It won't be long. Cela ne tardera pas. 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 Tell your neighbor, it won't be long. Cela ne tardera pas. It won't be long. Cela ne tardera pas.
There's going to come when there's going to be a wealth shift. Le jour viendra où il y aura un transfert de richesse. A wealth shift. Un transfert de richesse. A blessing shift. Un transfert de bénédiction. A deliverance shift. Un transfert de délivrance. A breakthrough shift. Un transfert de percée. America will hear from this church. L'Amérique entendra parler de cette église. I said America will hear from this church. America will hear from this church. Europe will hear from you. Asia will hear from you. Africa will hear from you. Shout amen. First two. Tonight I declare to you. Ce soir, je déclare dans votre vie. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. You will not miss your target. Vous ne raterez pas votre cible. And somebody within the reach of my voice. Et quelqu'un au son de ma voix. And I want you to say amen to this. Et je veux que vous disiez amen quand je le dis. You will kill the poverty giant. Vous allez tuer le géant de la pauvreté. You will kill the sickness giant. Vous allez tuer le géant de la maladie. You will kill divorce giants. You will kill barrenness giants. You will kill pain giants. You will kill setback giants. You will kill stagnation giants. I am the first stone. I am the first stone. I am the first stone. Some of you who are here tonight, et certains d'entre vous qui êtes ici ce soir, you will remove the reproach from your family. Vous allez enlever le reproche de votre famille. You will remove the reproach from your community. Vous allez enlever le reproche de votre communauté. In Amos Obareka, Ralish Kubrenerose, those who have looked down at your community, ceux qui ont méprisé votre communauté, who have treated them like scum, qui les ont traités comme scum, the day is going to come. Le jour viendra when young men and women où des jeunes hommes et des from jeunes the tabernacle of glory de tabernacle will remove that shame, will remove the embarrassment, will remove the looking down in the name of Jesus. Somebody say, I am the first stone. I am the first stone. First stone. First stone. I am the first stone. You will remove national shame. Vous allez enlever la honte nationale. You will remove family shame. Vous allez enlever la honte de famille. You will break the barriers. Vous allez briser les barrières. You will remove reproach from your family. Vous allez enlever le reproche de votre famille. You will remove stagnation from your vous family. Vous allez enlever la stagnation de votre famille. You are here tonight. Vous êtes ici ce soir. God is raising you. Dieu vous élève. As a pillar. Comme pilier. That some of you, when you will make so much impact. Certains d'entre vous aurez un tel impact. That when they hear your name, que quand on entendra votre nom, they be saying, where is he from? Et je vous dis, mais il vient d'où? Where has he been? Où il était depuis? Who is his dad? Qui est son père? How did he make it? Comment il a réussi? You are the first stone. Vous êtes la première pierre. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. First stone. Première pierre. If he did it for Joseph, il l'a fait pour Joseph, he will do it for il you. Le fera pour vous. If he did it for David, il l'a fait pour David, he will do it for il you. Le fera pour vous. If he did it for Jacob, il l'a fait pour Jacob, he will do it for il you. Le fera pour vous. If he did it for Mordecai, il l'a fait pour Mordecai, he will do it for you. Il le fera pour vous. Daniel was a slave boy. Daniel était un garçon esclave. With chains on his hands. Avec des chaînes aux mains. And chains on his feet. Et des chaînes aux pieds. Coming to the land of Babylon. Entrant dans le pays de Babylon. Singing, gonna lay down my burden. Les chansons de down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. Thank you. Yes.
And then one day, et un jour, when the chains fell off my feet so I could dance. Enlever les chaînes de mes pieds pour I just want to praise him. Je veux le louer. Just want to praise him. Same Daniel. Le même Daniel. From chains. Des chaînes. To joining the administrative school. À rejoindre l'école d'administrateur. Of Babylon. De Babylone. For 3 years. Pendant 3 ans. Graduated. Il a fait ses diplômes. Became civil officer. Il est devenu officier civil. Then captain. Puis capitaine. Then governor. Puis gouverneur. Then prime minister. Puis premier ministre. Then president of all the wise men. Puis président de tous les hommes sages. The man who came in chains. Celui qui est venu dans les chaînes. Became the first to. Est devenu la première. Who am I talking to here tonight? À qui est-ce que je parle ici ce soir? I prophesy tonight. Je prophétise ce soir. Ayenush kaliri dibuz. God will lift you up. Dieu vous élève. Heaven will lift you up. I said heaven will lift you up. Shout amen 3 times. I see it. Je le vois. I see it. Je le vois. There are some people here. Il y a des personnes ici. You feel like vous vous sentez comme my generation is too old. Oh, moi, ma génération est trop vieille. Listen, this prophetic word will not die. Écoutez, cette parole prophétique ne va pas mourir. It will rest on your children. Elle reposera sur vos enfants. It will rest on your grandchildren. Elle reposera sur vos petits-enfants. They will be the first stone. Ils seront la première pierre. They will be the first stone. Ils seront la première pierre. They will be the first stone. Ils seront la première pierre. Somebody here, you'll be the champion of your family. Quelqu'un ici, tu seras le champion de ta famille. You'll be the light of your community. Tu seras la lumière de ta communauté. Your generation will change the coming generation. Ta génération changera la génération qui vient. God has picked you up. Dieu t'a sélectionné. I said, God has picked you up. Dieu t'a sélectionné. And I have news for you, my sister. Et j'ai une nouvelle pour toi, ma sœur. The stone the builders rejected. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Have become est devenu the chief la pierre cornerstone. Populaire. Did they reject you? Est-ce qu'ils vous ont rejeté? Did they look down on you? Est-ce qu'ils vous ont méprisé? Don't worry. Ne vous inquiétez pas. The stone the builders rejected. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient have become est devenu the chief la pierre cornerstone. Angulaire. The same people who rejected Joseph. Ces mêmes personnes qui ont rejeté Joseph. Are the ones who now came and bowed. Sont ceux qui sont venus se prosterner. On that day. Ce jour-là. In the great wall of Egypt. The prince of Egypt. Le prince d'Égypte. Had requested to see the 11 sons. A demandé à voir les 11 fils. Of Jacob. De Jacob. They brought them into the great hall. Ils l'ont emmené dans le grand hall. The prince of Egypt walks in. Le prince d'Égypte. The Egyptians fell on their face. Les Égyptiens tombent sur leur face. All hail the prince of Egypt. Accueillez le prince d'Égypte. The 11 brothers. Les 11 frères. Knew that if this Egyptian had fallen flat. Savaient que si les Égyptiens se prosternent. We also must fall flat. Nous aussi on doit se prosterner. So donc eux aussi se prosternent. The prince of Egypt walks. Et le prince d'Égypte entre. He said, all Egyptians. Il dit tous les Égyptiens. Go out. Sortez. The 11 brothers are still on the ground. Et tout le monde se demande. And the prince of Egypt comes close. Et le prince d'Égypte se rapproche. And calls them by name. Et les appelle par leur nom. Naphtali. Naphtali. You're here. Tu es là. Judah. Judah. Levi. Levi. Zebulon. Zebulon. Asher. Asher. Hey. Reuben. Reuben. You came also. Tu es aussi venu. Gad. Gad. And they are like. Et ils sont en train de se demander. Told him our name. Comment ils connaissent nos noms? They're still on the ground. Ils sont toujours par terre. What they said they will not do. Ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient jamais. That they will not bow. Qu'ils ne se prosterneraient pas. They are still on the ground. Ils sont toujours à terre. And so prince et donc, of the north and the southern Egypt. De l'Égypte du nord et du sud. Because not every pharaoh ruled everywhere.
Parce que le pharaon régnait sur tout ce domaine. Either Pharaoh of the north or Pharaoh of the south. Pharaon du nord, pharaon du sud. Only few ruled both. Il y en a peu qui régnaient sur and les in the days of Joseph, et dans les jours de Joseph, the ruler was the ruler of the north and the south. Le dirigeant so régnait the sur prince le nord of the north and the south. Et donc le prince du nord et du stand sud. Up, men. Dit, levez-vous, messieurs. So they stood up. Il se lève. He said, I am Joseph. Je suis Joseph. In counting, quand on compte, he should not be the first stone. Il ne devrait pas être la première pierre. Because he's number 11. Parce qu'il est numéro 11. In Hebrew counting, dans les chiffres hébreux, numbers have meaning. Les nombres ont des significations. One is the number of beginning. Un commencement. Two is witness. Deux témoignages. Three is the number of God. Trois, le nombre de four Dieu. Four is the number of balance. Quatre, le nombre de l'équilibre. Five is the number of grace. Cinq, le nombre de la grâce. Six is the number of man. Six, le nombre de l'homme. Seven is perfection. Sept, perfection. Eight is new beginning. Huit, nouveau commencement. Nine is the finality of justice. Neuf, la finalité de la justice. Number 10 is a good number. Numéro 10, c'est un bon nombre. 10 is prospérity. Increase, 10, prospérité, abundance, croissance, and abondance multiplication. Et multiplication. 11 is 11, confusion. Confusion. And Joseph, et Joseph is number 11. Est numéro 11. That's what God is about to do with your life. C'est ce que Dieu est sur le point de faire. He's about to confuse them. Il est sur le point de les confondre. He's about to confuse them. Il est sur le point de les confondre. He's about to confuse them. Il est sur le point de les confondre. He's about to confuse them. Il est sur le point de les confondre. Somebody scream, I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. First stone. Première pierre. First stone. Première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. Put your hands together, give God a praise. Que quelqu'un acclame Dieu, que quelqu'un le célèbre. And so from today. Et donc à partir d'aujourd'hui. There'll be no more delays in your life. Il n'y aura plus de retard dans votre vie. Tabernacle of glory. Tabernacle de gloire. This church. Cette église. And members of this church. Et les membres de cette église. Will break protocol. Vont briser le protocole. You will break protocol. Vous allez briser le protocole. Tell your neighbor, change is coming. Dites à votre voisin, le changement arrive. Look at another one. Regardez quelqu'un d'autre. And it won't be long. Et dites-lui, ça ne tardera pas. Change is coming. Le changement arrive. And it won't be long. Change is coming. Le changement arrive. And it won't be long. Et ça ne tardera pas. Change is coming. Le changement arrive. And it won't be long. Et ça ne tardera pas. I release on this house today. Je relâche sur cette maison aujourd'hui. A new anointing. Une nouvelle onction. A fresh anointing. Une onction fraîche. An anointing for breakthrough. Une onction de percée. An anointing for crossing over. Une onction de traverser. An anointing to excel. Une onction pour exceller. An anointing to break forth. Une onction pour percer en avant. To break the limits. Pour briser les limites. To break through in life. Pour percer dans la vie. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. First stone of favor. Première pierre de faveur. First stone of testimony. Première pierre de témoignage. First stone of glory. Première pierre de gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray for everyone who's here tonight. Je prie pour tous ceux qui sont ici ce soir. I'm closing now. Et je finis maintenant. I deliver you from inadequate progress. Je vous délivre d'un progrès inadéquat. I deliver you from slow progress. Je vous délivre d'une progression lente. I deliver you from limited progress. Je vous délivre d'une progression limitée. I deliver you from restriction. Je vous délivre des restrictions. I deliver you from manipulation. Je vous délivre de la manipulation. I deliver you from pegged down life. Je vous délivre d'une vie clouée. I deliver you from standing still in the same place. Je vous délivre de tenir au même endroit. I deliver you from rising and falling. Je vous délivre des montées et des chutes. I deliver you from retarded progress. I deliver you from fading progress. Your life will not be captured.
assurée. Your blessing will not be prevented. Votre bénédiction ne sera pas empêchée. I deliver you from embargo. Je vous délivre de tout embargo. Every embargo placed on your blessings. Tout embargo posé sur votre bénédiction. Placed on your life. Posé sur votre vie. We remove it today. Nous l'enlevons aujourd'hui. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. First stone of favor. Première pierre de faveur. And upon the young men and women in this house. Jeunes hommes et les jeunes femmes ici. From 0 to 35 de 0 à 35 ans. I lay hands on them. J'impose la main sur eux. I prophesy creative anointing. Je prophétise une onction de créativité. Creative grace. Une grâce de créativité. Creative ability. Une habilité de creative créativité. Creative favor. Une faveur pour la créativité. Creative power. Une puissance créative. Creative capacity. Une capacité créative. Creative distinction. Une distinction créative. Creative excellence. Une excellence créative. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. You will be the first stone. Vous serez la première pierre. Put your hands together. Give God que a praise. Acclame Dieu. Que quelqu'un le come on, Dieu. Give him the praise. Célébrez. Somebody scream, I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. I am the first stone. Je suis la première pierre. Every time I go to a place to minister, I like to hear God. Chaque fois que je vais prêcher quelque part, j'aime entendre Dieu. This is the word the Lord gave me for you. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour vous. To minister tonight. D'apporter ce message ce soir. And somebody needs to know your progress is going to be so accelerated. Quelqu'un doit savoir que votre progression va être tellement accélérée. And the spirit of the Lord came upon Elijah. Et l'esprit du Seigneur vint sur Élie. And he overtook the chariot of Pharaoh. Et il dépassa les chars de Pharaon. Even to the entrance of Jezreel. Jusqu'à l'entrée de Jizreel. Look at me. Regardez-moi. From Mount Carmel. Du Mont Carmel. To Jezreel. À Jizreel. It's 27 miles. C'est 27 miles. An old man. Un vieil homme. Get ready to overtake. Préparez-vous à dépasser. Get ready to overtake. Préparez-vous à dépasser. Get ready to overtake. Get ready to overtake. Get ready to overtake. Get ready to overtake. Tell your neighbor, it won't be long. Ça ne tardera pas. It won't be long. Ça ne tardera pas. It won't be long. Ça ne tardera pas. It won't. Change is coming. Le changement arrive. And it won't be long. Et ça ne tardera pas. Change is coming. Le changement arrive. And it won't be long. Ça ne tardera pas. Change is coming. Le changement arrive. And it won't be long. Ça ne tardera pas. Change is coming. Le changement arrive. Won't be long. Change is coming. Changement won't be long. Ça ne tardera pas. Change is coming. Changement arrive. Won't be long. Ça ne tardera pas. Change is coming. Changement arrive. Won't be long. Ça ne tardera pas. 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 Change is coming. Changement arrive. Change is coming. Changement arrive. Change is coming. Change is coming. Won't be long. Change is coming. Won't be long.
merci pour ta parole que tu as donnée. Let it bear fruit. Qu'elle porte du fruit. Let people truly walk in the anointing. Que ton peuple marche vraiment dans l'onction. A fresh stone. De la première pierre. Fresh stone of favor. Première pierre de faveur. Fresh stone of blessing. Première pierre de bénédiction. Fresh stone of breakthrough. Première pierre de percée. Fresh stone of a turnaround. Première pierre de retournement. Fresh stone of change. Première pierre de changement. Fresh stone of healing. Première pierre de guérison. Idebros kalera madanosh. Isaiah 25, verse 7. Isaïe 25, verset 7. Everyone here. Chaque personne ici. Something have covered their glory. Quelque chose a couvert votre gloire. Anyone here. Quelqu'un ici. Whom the enemy has covered their beauty. Dont l'ennemi a caché la beauté. And no one is seeing them. Personne ne les voit. Those to promote them can't see them. Ceux qui doivent les promouvoir ne les voient pas. Those to bless them can't see them. Ceux qui doivent les bénir ne les voient pas. Those to marry them can't see ceux qui them. Doivent les épouser ne les voient pas. Tonight, as a servant of ce soir, Christ, en tant que serviteur de Jésus, every demonic covering, toute couverture démoniaque covering anyone here, qui couvre quelqu'un ici, in the name that is au above nom all names, au-dessus de tout nom, I tear it off. Je l'enlève. I tear it off. Je l'enlève. I tear it off. Je l'enlève. In the name of au Jesus. Au nom de Jésus. Victory follows. Victoire vous accompagne. Progress follows. La progression vous accompagne. You're going from glory to glory. Vous allez de gloire en gloire. From favor to favor. De faveur en faveur. You will be the first. Vous serez la première pierre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. If you were blessed tonight, give the Lord a big praise. Vous avez été bénis ce soir, que quelqu'un célèbre. Give him the glory. Que quelqu'un lui donne la gloire. Give him the glory. Que quelqu'un lui donne la gloire. Bless his name. Bénissez. Oh, bless. Oh, bénissez. I want you to know. Je veux que vous sachiez. In the realm of the spirit. Que dans la dimension de l'esprit, your mind has been elasticated. Votre pensée a été élastiquée. You will never go back to the way it used to be. Vous ne retournerez jamais à hier. Shout amen three times. Criez amen trois fois. Please remain standing. Restez debout s'il vous plaît. I have two more assignments and I'll hand j'ai over encore the microphone. Deux missions avant de rendre le micro. During this service, pendant le culte, and there has never been any time, il y a jamais eu un moment, when you invited Jesus into your heart, où vous avez invité Jésus dans votre cœur, as your Lord and Savior, comme Seigneur et Sauveur. This is the most important step you will ever take. C'est la chose la plus importante que vous auriez à faire. I was a Muslim. J'étais musulman. And I was 20 years old. Quand j'avais 20 ans, I was a secular Muslim. J'étais un musulman séculier. I was a Muslim, I was drunk. J'étais musulman, mais j'étais un soulard. When I heard about Jesus. Quand j'ai entendu parler de Jésus. Then I called him into my heart. Et je l'ai appelé à venir dans mon cœur. It's a long time, 47 il y a longtemps, il y a 47 ans. And I've lived 47 years for Christ. Et j'ai vécu 47 ans pour Christ. I've been preaching 45 years. Et je le sers depuis 45 most ans. Most important decision you will ever make. La plus grande décision que vous aurez à prendre. To receive Jesus Christ as your Lord and Savior. C'est de recevoir Jésus no comme Jesus, Seigneur et no Sauveur. No Jesus, no life. No Jesus, no hope. Pas de Jésus, no pas Jesus, de vie, no pas d'espérance, pas de direction. No Jesus, no meaning to life. Pas de Jésus, pas de signification à votre vie. And never assume. Ne présumez jamais. That because your name is Emmanuel or Matthew, que parce que vous vous appelez Emmanuel ou Matthieu, that is okay. Que c'est bon, vous y êtes. It's not safe if you are not saved. Vous n'êtes pas en sécurité si vous n'êtes pas sauvé. All eyes closed. Tous les yeux fermés dans l'assemblée. You're saying, Pastor Matthew, I want you to pray for me. I want to receive Jesus. Si vous dites, Pastor Matthew, je veux que tu pries raise pour moi, right je veux recevoir quickly, Jésus. Levez la main droite, si please, c'est vous. I want you to raise your s'il right vous plaît, hand. Je veux que vous leviez la main droite, si you're c'est saying, vous. Pastor Matthew, pray for me. Si vous dites, Pastor Matthew, prie pour moi. I need Jesus to come into my heart. J'ai besoin que Jésus vienne dans mon cœur. We're going to wait for you.
Nous allons vous attendre. Now I want everyone to sit down. I want all those who have raised their hand to come to the front. Je veux que toute l'assemblée s'asseye et que ces personnes qui ont levé la main viennent. This is the most important decision you will ever make. C'est la décision la plus importante que vous aurez à faire. And everything you brought to church, come to the front. Tout ce que vous avez emmené à l'église, et venez devant. Je vous attends. Venez. Is that my C-sharp? Come. I heard an old, old story, how the Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. And then I cried, Lord Jesus, come and heal my broken spirit. Somehow Jesus came to me and wrought the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Washed me and bought me with his redeeming blood. He lovelier, I knew him, and all my love is to him. Plunged me to victory beneath the cleansing flood. Tonight, whether you raise your hand or didn't raise your hand, if you have no assurance that if you die tonight you are going to heaven, you ought to be in front here. Vous devriez être devant ici. I like to pray for you personally. Don't wait, don't assume. Pick your Bible and come to the front here. I'm waiting for you tonight. Venez devant, je vous attends. No Jesus, no lie. No Jesus, no lie. No Jesus, no lie. Jesus, no lie. I'm waiting for you. Come on, come on, come. No Jesus, no lie. 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 If you haven't made this decision, you need to be in front here. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, venez devant. Venez vite. No Jesus. No Jesus, no lie. Hey! This is the most important decision you will ever make. Ever. 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 No Jesus, no lie. No Jesus, no lie. Jesus, no lie. No Jesus, no lie. Wherever you're seated, you know you're supposed to be here. You need to come now. Que vous êtes soyez assis, vous savez que vous devez être là. Venez. No Jesus, no lie. You may also be here. Vous êtes peut-être ici également. You're saying, Pastor Matthew. Et vous dites, Pasteur Mathieu, I've given my life to Christ before. J'ai donné ma vie à Christ par le passé. But I turned my back. Mais je lui ai tourné le dos. I became lukewarm. Je suis devenu tiède. I didn't care about Christ anymore. Christ n'était plus ma préoccupation. But tonight, something you said got through to me. Mais ce soir, quelque chose que tu as dit m'a touché. I want to rededicate my life. Je veux redédier ma vie. Please pray for me, Pastor Matt. S'il te plaît, prie pour moi, Pasteur. I want to rededicate my life. Je veux redédier ma vie. If you are such a person, stand up. Si c'est vous, levez-vous là où vous êtes. I really want to get serious with God from si now. Vous dites, je veux vraiment devenir sérieux avec Dieu. If you are such a person, get up. Si c'est vous, levez-vous.
get up, get up, get up. Get up, get up. Yes, please pray for me. Si vous dites, prie pour moi, s'il te plaît. You say, please, I want to rededicate my life. Si vous dites, je veux redédier ma vie. Jesus paid it all. All to Him I owe. Sin has left crimson stain. He washed me white as snow. I'm still waiting for you if you are coming. Je vous attends toujours. This is the most important decision you will ever make. C'est la décision la plus importante que vous aurez. Jesus paid it all. Jésus a tout payé. All to Him. Je lui dois tout. Sin has left le péché a crimson stain. Une tache rouge. He washed me mais white. Il m'a lavé. A snow. Il m'a rendu blanc comme neige. Everyone at the altar. Vous tous qui êtes à l'autel. You're gonna say this prayer with me. Vous allez répéter cette prière avec moi. And I want you to mean it with all of your heart. Et je veux que vous la fassiez de tout votre cœur. In fact, the way I like to do it is I like the whole church to say the prayer. En fait, j'aime quand toute la congrégation répète la prière avec nous. I like you to say this prayer of receiving Jesus. J'aimerais que vous fassiez cette prière pour recevoir Jésus. Please say with me. Répétez avec moi. Everyone in the house. Tout le monde dans l'assemblée. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Seigneur Jésus. I'm sorry for my sin. Je te demande pardon pour mes péchés. I'm sorry for my sin. Je te demande pardon pour mon péché. And I ask you. Et je te demande. To forgive me. De me pardonner. Jesus, Son of God. Jésus, Fils de Dieu. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Come into my heart. Viens dans mon cœur. Help me. Aide-moi. To live my life for you. Pour toi. I receive you today. Je te reçois aujourd'hui. As my Lord. Comme mon Seigneur. And Master. Et mon Sauveur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Wash me. Lave-moi. With your blood. De ton sang. Make me. Fais de moi. A new person. Une nouvelle personne. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, I pray for this man and woman and my young friends. Père, je prie pour ces hommes, ces femmes, mes jeunes amis qui prennent cette décision. That they will be true. Qu'ils demeurent engagés to their decision. À leur décision. And never go back. Et qu'ils ne retournent jamais en arrière. Serve you, Jesus. Qu'ils te servent, Jésus. With all of their hearts. De tout leur cœur. And all of their lives. Et de toute leur vie. We thank you. Nous te remercions. Because you have answered our prayers. Parce que tu as répondu à nos prières. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's celebrate this, my friends. Célébrons Dieu pour nos amis. Every one of you who's in front, look at me. Vous tous qui êtes devant, regardez-moi. This is the most important decision you will ever make. C'est la décision la plus importante que vous aurez but à prendre dans la vie. Here. It's not like, well, it's all done. I'm going away now. Vous êtes venu ici, mais ne dites pas, ah bon, c'est bon, j'ai fait la prière, je m'en vais. No. Non. You now live for Jesus. Maintenant, vous devez vivre pour Jésus. And listen. Et écoutez. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. And don't think, oh, somebody will be watching me now. Am I doing okay? No, just be yourself. Soyez vous-même. Let the word of God work in your heart. Permettez à la parole de Dieu d'œuvrer dans votre cœur. Okay. D'accord. Who am I supposed to hand them over to? À qui est-ce que je dois les remettre? Qui est-ce qui les accompagne? Là-bas. Suivez cette personne. That's cette personne. There who's waving. Please il y a un homme qui vous fait give signe. Suivez-le. Que quelqu'un bénisse Dieu pour leur vie alors qu'il les suit. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Love me and wash me with this redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Somebody praise the Lord this evening. Give God a glory. Bless his name. Oh, bless. Oh, bless. I like it to
the scripture. I am the first of. J'aimerais que vous criez, je suis la première pierre. I am the first of. Je suis la première pierre. I am the first of.